Depuis la nuit des temps, il y a eu des cooks et des pogs. D'un côté, des gens qui possèdent tout. Et de l'autre, des gens qui n'ont rien. Ça a toujours été comme ça. Jusqu'à maintenant. Pour mon père et pour moi, ce trésor était notre porte de sortie. Notre manière d'équilibrer la balance. Pour que l'époque gagne enfin. Mais il vient toujours un moment où vous finissez par tout remettre en question. Est-ce que le trésor était une porte de sortie? Ou un terrible piège? Pourquoi je suis là? Vous n'avez vraiment aucune idée. J'ai cru comprendre que vos amis et vous étiez en possession de quelque chose qui pourrait m'aider à parvenir à Eldorado. Et le retrouver, ma très chère, c'est ma destinée. Papa? John B. C'est toute ma vie, ce trésor. Il parlait d'une idole et d'une cité d'or. Il y a un plus gros trésor? J'ai récupéré ce qui m'appartient. Tout ce qui m'appartient. On va vraiment faire ça? Tu te rappelles quand tu m'as dit que tu ferais tout pour réparer notre relation? Tout ce que tu veux. Papa, j'ai plus du tout besoin de toi. Ce sera notre billet pour l'Eldorado. Ça nous remet en selle, ça, génial. C'est pas le moment de faire la fête. On a encore 2-3 trucs à régler. Elle a raison. Je trouve... On a assuré, on est débrouillés.